Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Mass Effect 2. On s'était donc laissé en pleine invasion d'un vaisseau, le vaisseau du courtier de l'ombre. J'espère que l'épisode vous plaira. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, commentaire, abonnement, pouce bleu. C'est parti! J'ai téléchargé le plan du vaisseau. Nous allons droit sur la prison et sur Ferron. Fer noir en action. Ils sont à l'intérieur. J'y vais. Oh oh, c'est plié. Neutralisez-nous. Oh 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 oh. Tournez la tête. Ils ont des drones de combat. Fer noir actif, à couvert. De suppression. Attention. J'y vais sur le bleu. J'y vais sur le bleu. Ok, donc. On a encore trouvé des objets. Et bah on va déverrouiller la porte. Hein. Ferron. Liara ? Attendez, on va vous sortir d'ici. Non. Ferron. Je me disais aussi, trop facile. Cette chaise est reliée au réseau du courtier. Si vous me libérez sans la désactiver, ça va me griller le cerveau. Et comment fait-on pour la désactiver ? C'est bien ça le problème. Vous devez aller dans la salle des opérations. À quoi sert cette cage ? C'est une prise de terre neuronale. Tout cet équipement médical sert à le maintenir en vie. Nous devons mettre un terme à tout ça. Qui sont les mercenaires du courtier ? C'est son armée privée. Ils lui sont entièrement dévoués. Shepard, nous n'avons pas le temps. Que savez-vous sur le courtier ? Je sais que c'est à lui que je dois ça. Vous n'en savez pas plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est énorme. Même ses gardes ont peur de lui. C'est un Krogan ? Je n'en sais rien. Mais ceux qui entrent dans son bureau n'en ressortent pas toujours. Dites-nous où aller. La salle des opérations est au bout du couloir. Le courtier de l'ombre doit déjà vous attendre. J'y compte bien. Tenez bon, Ferron. Je ne bougerai pas, promis. À toutes les équipes, regroupement au poste C. Comme s'il avait vraiment le choix, en fait. Pas de tir, pas de quartier. Tournez la tête. Attention. Fermez les yeux. Bien essayé, mais c'était pas assez.
C'est quoi ça? Vous êtes ici pour le Drell. Vous êtes fidèle à votre réputation, commandant. Une vraie tête brûlée. Le bombardement sur Ilium n'avait rien de subtil. C'était une mesure extrême, mais nécessaire. C'est faux. Pas plus qu'il n'était nécessaire d'enfermer Féron. Docteur Tsani, vous êtes à coup au sein de tout ceci. Féron n'aurait jamais dû vous remettre le corps de Shepard. Il ne fait que payer le prix de sa trahison. Soyez raisonnable. Laissez Féron partir avec nous. Aucun de vous ne partira d'ici, vivant. Ne prenez pas cet air confiant. Vous n'avez plus aucune issue. Vos compagnons sont fascinants, docteur. Je vois que vous avez amené Archangel. Tant mieux, sa tête est toujours mise à prix. Vous ne ferez de mal à personne. Je n'ai rien à craindre de vous, Asari. Vous ne savez rien de moi, alors que je connais le moindre de vos secrets. Vraiment ? Vous êtes un Yag, une race primitive consignée sur son monde d'origine pour avoir massacré les équipes de contact du Conseil. La construction de cette base est antérieure à la découverte de votre planète. Ce qui signifie probablement que vous avez tué le premier courtier de l'ombre, voilà 60 ans environ, afin de prendre sa place. C'est sans doute un chasseur de primes qui vous a arraché à votre monde pour faire de vous un esclave. Ou un animal de compagnie, je me trompe? Ah, il est grand. Il est pas content. Ça. Bouclier cinétique, génial. C'est un bouclier cinétique. Nos tirs et notre énergie rebondissent dessus. Dans ce cas, on fait à l'ancienne. Frappez-le! Il y a un bouclier maintenant, génial. Ça devrait les retarder. Ah ok, je peux pas récupérer mon allié qui tombait. Moi, bon à savoir ça. Vous ne sortirez pas d'ici vivant. Bon voyage.
bouclier, c'est pas cette façon. Pour qu'il réactive son bouclier. J'ai une idée. Chef, oui, chef. Attention. Je vais les faire voler. Allez, est-ce que Tsuni va le faire? Yara, vite! Ça doit pas être agréable, ça n'empêche. Courtier, ici l'agent Murat. Nous avons été déconnectés. Confirmez votre statut, s'il vous plaît. Ici l'agent Shora. Répondez, courtier. Vous êtes toujours en ligne? Courtier, j'ai perdu votre signal. Quelles sont vos instructions? Présent. Reprenez les procédures standards. Je veux un rapport complet sur l'ensemble de nos opérations pour demain dernier délai. Courtier de l'ombre, terminé. Par la déesse des océans, c'était vous. Mais comment? Tous ceux qui connaissaient son vrai visage sont morts. Alors... Alors vous avez décidé de prendre sa place? Vous êtes sûr que c'est une bonne idée de prendre la place du courtier de l'ombre? C'est la meilleure solution pour conserver ses contacts et ses informateurs. Nous allons en avoir besoin. Avec le réseau du courtier à ma disposition, je pourrais vous... Je pourrais... Je vais aller vérifier le système d'alimentation, ok? Bizarre, on nous laisse seuls. Ça va aller. Deux ans ont passé, Shepard. Nous avons changé. Vous avez une mission et... Pour l'instant, nous avons une décision à prendre. Pas de protocole de sécurité.
Il était tellement sûr de lui. J'ai accès à tout le réseau. Tout le réseau? Toutes les informations du courtier? Oui, je crois. Mais je vais devoir étudier ça de près. Revenez plus tard, j'aurai sûrement du nouveau pour vous. Je voulais juste libérer Ferron, rien de plus. Mais tout ce pouvoir à ma disposition, c'est très tentant. Ce réseau est un outil formidable. Je pourrais m'en servir pour vous aider, pour réparer les torts qu'il a causés. Faites-moi signe de temps en temps. À bientôt, Shepard. Vous serez toujours le bienvenu ici. Merci, Shepard. Merci pour tout. Et voilà qui clôture la mission de Liara. Donc franchement, c'est bien, on vient de gagner, enfin on vient de récupérer une alliée supplémentaire qu'on avait perdue entre temps, hein, mais surtout un putain de réseau d'information. On vient de gagner un putain de réseau d'information au travers de Liara. Première vue. Shepard, ça fait plaisir de vous revoir. Vous restez ici. Jetez un coup d'œil sur ces terminaux. J'ai trouvé des informations qui devraient vous intéresser. Parfait. En plus, on va gagner une base supplémentaire. Bienvenue, courtier de l'ombre. C'était quoi, ça? L'IV du précédent courtier. Sans elle, j'aurais eu beaucoup de mal à reconstruire le réseau. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à votre disposition, courtier. Bizarrement, elle prend tout le monde pour le courtier de l'ombre. Sans doute un problème de paramétrage. Mon manuel est prêt, si vous le désirez. On va pas s'en plaindre. Bon, qu'est-ce qu'on peut trouver ici? Oula. Consulter. Ok, il y a beaucoup de trucs à lire. Alors, historique extranet, message extranet, résultat d'image pour Shepard Saren Spectre. Synthèse des nouvelles pour Ed. Ouais, sur la mode nocturne, trimestriel de la recherche biotech. Les hommes viennent d'Omega, les femmes viennent d'IM. Ok, ça va. Bon, par contre, ça, je vais éviter de tout faire, hein, ça. Si vous voulez, les gars, je vous encourage hautement à faire le jeu. Ok, Verbu, en 17. Ok, costume porté. Oula, c'est mes précédents. Disons qu'il aime bien avoir une certaine... Bon, voilà. Ok. Est-ce qu'il y a nous? C'est long. Secret défense. Comme prévu, nous avons atterri sur le monde d'origine des Yak. Quel terrain spécial que vous pourrez étudier? Ok. En fait, il s'est entraîné à travers eux et après, directement quoi. Ok, même chose pour tout à l'heure, hein. N'hésitez pas à aller voir un petit coup pour voir ce que ça donne. J'avoue que personnellement, là, je vais pas dire ça. Opportunité d'avertissement. Une flotte pirate est en train de se rassembler au Bursar de Stamos. Ok, ah, donc c'est des missions. Inaction bureautique. La Fondation Certa ne peut pas lancer cette tasse de bureautique très probablement parce qu'un employé de bureau. Ok. Ok. Ah non, on finance des missions, c'est pas la même chose. Enfin, de diffamation. Ok, vas-y. Je te récompense. Ouais, vas-y. Là, il faudra attendre. Ok. Maquette de visée. Hop, on le prend. Commande de volet. Je préfère voir l'extérieur. Compagnie d'extraction. Pour les prendre, hein, mais. Soit.
tout ce qu'il me faut en termes de ressources. Je vais faire un petit tour à de ces jours. Ah, on peut faire des améliorations ici aussi. Pistolet les lourds, dégâts. C'est bon ça. C'est bon aussi. Protection. Parfait. Là c'est toujours au niveau de propriété. Voilà, c'est ça. Donc actuellement, nous avons déjà plus tout. Enfin, nous avons toutes les améliorations déjà faites. Du conseiller Turien sont inhabituelles. Tout indique qu'elle se prépare à emménager dans une plus grande résidence. Ok. Ouais. Armure, ça voilà, on a déjà ce qu'il nous faut. Hein. Les entraînements, je ne compte pas le faire. Comment allez-vous, Lyra ? Je suis un peu débordée, pour tout vous dire. Le courtier de l'ombre disposait de ressources inimaginables. Tenez, venez voir. Il avait ses entrées dans les hautes sphères des gouvernements Asari et Turien, et de nombreux contacts parmi les Dalatras galariennes. Et à présent, toutes ces ressources nous appartiennent. Rassurez-moi, vous n'allez pas vous transformer en manipulatrice machiavélique vous aussi. Je dois avouer que c'est assez tentant. Quasiment plus rien dans la galaxie n'a de secret désolé pour moi. Je donnez-moi 10 minutes et je peux déclencher une guerre. Mais je dois vous aider à combattre les moissonneurs. Tant que j'aurai cet objectif, je resterai honnête. Enfin, façon de parler. Vous avez trouvé des informations intéressantes ? Le courtier de l'ombre était au courant de l'existence des moissonneurs. C'est sans doute pour cette raison qu'il a aidé le conseil à prouver la culpabilité de Saren. Il ne voulait pas que le plan de Saren réussisse. Il savait également que les récolteurs sont en fait des protéins conditionnés pour obéir à l'augure. J'ai même trouvé des données sur les protéins. Je crois que le courtier cherchait un moyen de survivre. Pourquoi s'intéressait-il encore aux protéins ? Nous avons déjà découvert leur avertissement et le canal sur Ilos, non ? Je crois qu'il pensait que les protéins n'avaient pas encore révélé tous leurs secrets. Ou peut-être s'accrochait-il désespérément à cet espoir de survie ? Vous ne m'aviez pas dit que vous en saviez autant sur le courtier de l'ombre. C'est parce que je ne savais rien sur lui avant de le rencontrer. Mais il se trouve que j'ai étudié les cultures primitives au cours de mes recherches sur les protéins. Je connais un peu les Yag. Vous trouverez des informations sur eux dans la base de données, si ça vous intéresse. C'est une culture à la fois fascinante et terrifiante. Comment va Féron ? Aussi bien que quelqu'un qui a été torturé pendant 2 ans. Il va s'en sortir ? C'est difficile à dire. Je le laisse m'aider un peu pour lui occuper l'esprit. Et donc, vous et Féron Nous sommes amis, rien de plus. Commandant, seriez-vous jaloux ? Un peu. Si ça vous inquiète, vous devriez peut-être faire quelque chose. Lyra, je ne suis pas venu ici simplement pour discuter. Je sais, il s'est passé beaucoup de choses entre nous. Je sais aussi que ce n'est pas parce que nous avons déjà été ensemble que... Vous m'avez manqué. Mais en 2 ans, vos sentiments ont pu changer. Je ne veux surtout pas m'imposer. Je garde plutôt un bon souvenir de la dernière fois que vous vous êtes imposé. Oui, moi aussi. Pourquoi ne viendriez-vous pas boire un verre à bord du Normandie ? Ce serait avec plaisir. Bien, dans ce cas, je vous attends. Oui, avec plaisir. Donnez-moi une petite minute, j'arrive. Oui. La visite vous a plu ? Oui, c'est un vaisseau magnifique. J'ai rencontré Joker, il avait l'air content de me voir. Il m'a aussi demandé d'enregistrer les passages de notre conversation, où mes yeux font, je cite, « leur truc flippant de l'éternité ». Évidemment, il n'a pas pu s'en empêcher. J'ai aussi parlé avec le docteur Chakwas. Elle va beaucoup mieux. Je vous ai apporté un petit cadeau. Ça n'a pas été facile, mais j'ai fini par retrouver vos plaques d'identité. Je croyais les avoir perdues pour de bon. Parfois, le passé nous échappe. Mais si l'opportunité se présente, il faut savoir saisir sa chance.
Oui, c'est toujours une bonne idée de saisir sa chance. Sérieusement, Shepard, comment allez-vous? Et je veux la vérité, pas une réponse toute faite. Ça va. Vraiment, je vous assure. C'est pas facile tous les jours, mes chers goûts. Vous pouvez être fier de vous, Shepard, même si ces imbéciles du Conseil refusent de l'admettre. Sans vous, Horizon ne serait plus qu'un désert sans vie. J'ai sauvé des vies, oui. Mais pas assez. Et les récolteurs continueront d'attaquer des colonies sans défense jusqu'à ce que je les arrête. Et vous les arrêterez, j'en suis sûr. Si seulement c'était aussi simple. Vous réussirez, Shepard. Vous réussissez toujours. Ensuite, ce sera à vous de décider. Dites-moi ce que vous ressentez, Shepard. Si tout ça devait finir demain, qu'adviendrait-il de nous deux? Je ne sais pas. Pourquoi pas un mariage et plein de petits enfants bleus? Je ne plaisantais pas, Shepard. Par la déesse, Shepard, vous étiez mort. Je m'en suis armé. Cette fois-ci, peut-être, mais la prochaine fois. Dès que votre équipe sera prête, vous utiliserez le relais Omega 4. Je vous ai déjà perdu une fois. Si vous êtes sérieux, vous devez me promettre de toujours revenir. Je ne sais pas. Vous m'en demandez beaucoup, Lyra. Oh, vraiment? Revenir, d'accord. Mais vers quoi exactement? Eh bien, à vous de me le dire. Que pensez-vous de ceci? Merci, Shepard, pour le verre et tout le reste. Revenez vite, Lyra. Et c'est sur ce... Je vais y arriver. Et c'est sur ces quelques notes que nous allons nous laisser. On se retrouve bien entendu la prochaine fois. Si l'épisode vous a plu ainsi que les quelques images, n'hésitez pas à aller soutenir la chaîne, abonnement, commentaire et pouce bleu. On se retrouve donc la prochaine fois. Bye!